Hey, salut, salut! Comment ça va, lundi matin? Yeah! Yeah! Salut le buzzé, 4, Kakarnak, Max Lacloche, 4, j'ai déjà dit, Silmanson, Max Lacloche, Dead Drifter, Kakarnak, merci pour l'abonnement. Mike, Le Chaudron, ainsi que tous les autres. Le Viking Man. Microwave Jean-Michel. On va être pas mal dans le neuf aujourd'hui, les amis. Peut-être avoir une coupe d'usagers, mais j'ai reçu pas mal de commandes. Vous serez les premiers informés. Des nouvelles mises en inventaire. Reste à mes. Encore Friendzone et Eric Ocean. Oh, attention! Oh, oui. Yahoo! Non, il l'a eu, Jean-Michel. Yeah. Yes, c'est fait, Microwave. Tu voyages un peu plus vite que les avions au zénith. Pour le mettre debout. Oh, s'il te plaît, surtout reste. Ami, ne bouge pas. C'est comme ça que je t'aime. Reste, ami, toi et moi. On fait un tandem. Reste, ami, ne bouge pas. Salut, Peter. Oui, je me suis fait battre hier, Chaudron. Je me suis fait crisser une volée par Rigbill à Twitch Mania hier. En plus, j'étais live. J'ai tout vécu ça. J'ai encore mal à mâchoire. On fait un tandem. Ami, on ira aussi loin quand même. Yes, Max Lacloche, ça va être le. Ça commence le 20 décembre. Reste ami. Ne bouge pas, c'est comme ça que je t'aime. 57. Ami, toi et moi, on fait un tandem. Reste ami, ne bouge pas, ne me fais pas de peine. Oh, et on s'en va écouter du Iron Maiden. Mesdames et messieurs, oui! C'est parti! Hey, on n'est plus dans le bon décor! Fun, 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 yes! On s'en va écouter un peu de Maiden, mais avant, hein? Avant, on s'en va dans le marché de Noël! Pouf! Logo de la cabane. Sur la cabane, il a le logo, le 33-45. Ensuite, il manque... ça. Une petite cabane.
cabane d'un oiseau. J'irais pas dans la cabane. Des fois, je me mettais dans la cabane. Il manque la neige aussi. Je peux aller dans la cabane un peu. La petite neige. Manque de neige. Voilà. C'est notre décor de Noël, mesdames et messieurs. Ça sera comme ça. Ça sera comme ça pendant tout le temps des fêtes, hein? Fidèle à la tradition. Et c'est une nouvelle édition qui est sortie dernièrement. Je suis chanceux parce qu'il n'y en avait plus en stock. Et là, je vais me mettre en plus gros parce que je vais sortir de la cabane. C'est une nouvelle version de Iron Maiden Somewhere in Time. Limited Edition Yellow Vinyl Exclusive 3D Future Past Tour Lenticular Print. Et c'est la version de l'actuelle tournée. La neige est arrivée dans la région de Montréal. L'autre, on en a, mais pas gros. On va aller voir sur Discogs. On en a un petit peu, c'est 65$. Ça fait mal à prononcer de quoi ça? Ça du crush. Candy Crush jusqu'à vendredi. Attends, je vais vous dire ça. Ça achève Candy Crush. On va aller voir ça. Un léger tapis de neige sur la côte nord. Steam Element. On va aller voir pour ce qui est du candy crochage. Il reste encore 5 places pour ceux qui n'ont pas joué. Il nous reste 4 jours. 4 jours. 4 jours et 9 heures. Exactement. Je vous rappelle que vous pouvez gagner, si vous atteignez les niveaux 250, une pin, 300, un centre heure de 33-45 comme celui-là. Et niveau 400, vous gagnez une brosse et tous les participants. Un peu loin, mais vous risquez de gagner un vinyle de Godsmack. Que je travaille fort cette semaine. 309. Je veux la brosse. Non, je suis pas 4. Faut pas que tu oublies de prendre tes vies tout le temps. Hein? Les vies, c'est toujours gratis. Avais-tu plus qu'une copie de Challenger? Il se vend une petite fortune sur Discord. Laisse-moi aller vérifier ça. Et oui, j'en ai encore une copie. Challenger. Ça, c'est le normal. En fait, j'ai juste trouvé le normal. Version mix. Ah, merci. Ben oui, toi. D'abord, je peux en commander d'autres. Il m'en reste un. Microwave. Je ne l'ai pas encore mis en an. Le moins cher était 90 US. Donc je vais être capable de le vendre peut-être 100 piastres.
va attendre, on va voir. En même temps, il y en a beaucoup avant. copies. Ah ouais. Non, je savais qu'on ne voulait pas d'autres. On en parlera un peu tantôt. S'il y en a un qui le veut à 46, il le prendra. Sinon, ben moi, je vais y aller au coût du marché. Hein. De toute façon, on va repasser un à un les 10 de Record Store Day. Là. Je les ai mis dans mon stock régulier. Fait qu'au courant de la semaine, on va les voir réapparaître. On va pouvoir en reparler un peu. Come somewhere in time. Si vous aimez ce qui joue et vous voulez pas payer 65$, je pense que j'ai encore des copies à 35$. Hein. Peut-être pas la lente color 3D machin. World Tour. 3D. Lenticular. Je vois pas, ça vient-tu avec des lunettes ou quelque chose? Parlement de la main, non? Tu en as un autre qui vaut cher, ça, sur Discog. Je vous vends ça 65$ à l'actuel. Ça s'est déjà vendu à son plus haut, 107, à la médiane, 102. Le moins cher affiché présentement est à 70. On va mettre à 70. On continue à écouter un peu de Maiden. Je vais vous le mettre à l'écran. Pendant que je finalise sa mise en marché. Somewhere in time. Je pensais que c'était somewhere back in time. C'est somewhere in time. Ah, oh, c'est un lenticular. C'est des affaires de boîte de céréales de quand on était jeune. Vendu le dernier Challengers à 46. Merci, Peter. Fun. Oui, hein, si ça vous tente là, d'aller checker les prix. Moi, ça me dérange pas. Je vais regarder ça. Des fois, il y a peut-être un peu d'argent à faire. Jamais. On va chercher ça. Challengers. Je trouve pas là.
c'est à toi. Merci beaucoup. Translucent Yellow Vinyl. Understand. Je vais prendre un truc de... ça, je disais. Dans le fond, il y a un lenticulaire qui coûte genre 30$. Mais si vous voulez, sur le vinyle noir, je l'ai aussi. Il me semble qu'il était juste 35. On ira voir ça tantôt. C'est en train de passer sous ton radar. T'es un fan fini de Nine Inch Nails. Merci beaucoup, Peter. Salut la gang! Salut à Zig! 55,99. En fait, c'est... Je vous le ferai à 64. Là. Je dis 65 parce que je ça n'existe jamais, le chiffre 4 chez nous. Ça pourrait être 64. On met ça dans la nouveauté, vinyle 9, métal. Oh, on va avoir une surprise, Buzz Québec qui a callé la surprise. Avec plaisir. C'est vrai, que tu s'accroches l'année prochaine. Nine Inch Nails va faire la trame sonore du prochain Tron. Fait qu'on va avoir Wendy Carlos, Daft Punk, puis le troisième, ça va être Nine Inch Nails. Ben, je sais pas si c'est Trent Reznor ou Nine Inch Nails, mais en tout cas. Ça sera confié à Trent Reznor d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Mais y a-tu d'autres membres réguliers? Ou c'est comme Megadeth, là? Parce que Meganeth ou Dave Mustaine, dans le fond, c'est son projet à lui à 100%. Il n'y a plus aucun membre original. C'est plus tellement un band, là, tu sais. C'est écrit dans la pochette de Pretty Hate Machine que Trent Reznor is Nine Inch Nails. Les clous de 9 pouces. Premier album. C'est que ça a toujours été... Ça n'a jamais été un band. C'est ça que tu dis, Peter. Deux dans Nine Inch Nails depuis 2005.
Atticus Ross. Oh, bon. Bromance. Oui, c'est vrai, ça que Jésus serait pas sauvé avec des clous de 6 pouces, serait resté. Quoi que, va lire ton histoire sainte. Il s'est sauvé de son tombeau, hein, il s'est pas sauvé de sa croix. Travailler avec Trent depuis 2005, mais membre officiel depuis 2016. C'est donc bien compliqué. Après ça, on enlève le disque et on va aller faire jouer une surprise. Parce que Boss Québec a call a surprise. Compliqué à mettre. Il était mal cloué sur son tombeau. Ils l'ont cloué sur son tombeau. Je sais pas quoi. Ils l'ont cloué sur son tombeau. Eh bien. Ben oui, pour ceux qui étaient là hier, je me suis battu contre Rick Bill. Rick Bill contre le 33-45 à Twitch Mania. Twitch Mania. J'en ai mangé une tabarnak. C'était un combat le plus de tombées en 10 minutes. Rick Bill a gagné par 5 tombées, j'en ai fait que 2. Il y a des claques sans gueule qui se sont données, mesdames et messieurs. L'histoire du match était que j'en pouvais plus de ces jeux de mots. Fait que maintenant, Rick Bill va pouvoir non seulement continuer à faire des jeux de mots sur la chaîne, mais il en est même invité. On va bien. Ouah! T'es-tu sérieux? Il y avait pas d'arbre assez grand dans ce coin-là pour faire des thés en planche. Fait qu'il aurait été mis sur une croix en X. Il serait pas fait clouer les mains aussi, hein, parce que s'il serait fait couper les mains, ça aurait, tout simplement les mains auraient déchiré. Fait qu'il serait plus fait clouer les poignets. Ça, c'est l'autre affaire. Parce que si tu cliques, c'est clair que, pense-y deux secondes, là, le poids d'un homme, les mains, ça tient pas. C'est drôle, il y a plein d'affaires dans la religion qui... On dirait que c'est pas tout qui est vrai, hein? On dirait qu'ils ont inventé des histoires pour nous faire peur. Hein? Ben, on a fait ça, voyons. OK, surprise! Wow! T'as un peu une dégringolade. OK, j'ai une surprise dans les mains. On va aller mettre mon cache de l'eau. Cache de l'eau. Voilà. On va enlever Iron Maiden. Comme ça, on se ferme les yeux. J'ai toujours peur de le montrer à l'écran par erreur. OK. On a une surprise. OK. Parfait. C'est parti, les amis. Surprise! C'est des surprises! On passe avec des petits violons. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. C'est la toune du parrain en français. Le monde n'est pas prêt pour tes paroles tendres. Mais voyons donc. Le monde n'est pas prêt pour nous. Il dirait tout simplement que nous sommes fous. Parle plus bas. Le parrain en français, mesdames et messieurs, qui c'est qui a fait ça? De l'amour fou, de l'amour bas. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Tu
sais très bien qu'il ne voudrait jamais. Ah oui, ça s'est transmis oralement. Le jeu du téléphone, ah oui. Jésus était noir. C'était une femme. Ce que le monde refusait de nous donner. Guidon 1. On est donc en haut, hein. Mais c'est ça, la... Elle est pas bien mise. Qu'elle soit là, genre. Voilà. La cabane est là pour que Guidon embarque sa cabane. Dalida l'avait déjà fait. Bon, c'est qui, ça? On dirait Tino Rossi ou quelque chose. Hein. Bon. Raymond Berthiaume pour les amants. 15 grands succès. Parle plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien. C'est écrit N. Rota D. Bergman. Que dans mon cœur, moi. Raymond Berthiaume, Pierre Nolès. C'est une espèce d'album compilation, hein, c'est ce que je comprends. Par Raymond Berthiaume et ses amis. Par le plus bas. Raymond. C'est-tu quelque chose que on a déjà en stock? Non, je l'avais pas en stock. Ça vaut 5$, les amis, dans l'état qui est en VG. Si je pense à demain, c'est pour mieux partir là-bas. Ah, la version Trans-Canada est plus rare, par exemple. Que je ne connais pas. Sur ma vie, tu vas glisser. Sans laisser ça le souvenir. Plus intéressant. Je ne crois pas au passé. Moi, je vais vers l'avenir. Je suis seul dans ma peau. Je défends mes illusions. Et si le ciel est trop, la route est ma chanson. Si on aurait continué le Iron Maiden de tantôt, il y avait une chanson qui était dédiée à Alexandre Legrand. C'est une chanson de Claude Léveillé, mais on dirait Pierre Lalonde, hein, pas Pierre Lalonde, ouais, Peter Morton. Au fond des jours et des nuits, mais pas mauvais, cette tune-là. L'espoir de notre amour. Ça fait... Adieu, bye bye, bonjour. Ça fait oldies. Le temps est au départ. Pourquoi prendre des détours? Ma vie est en retard. Moi, je suis seul dans ma peau. Je défends mes illusions. Et si le ciel est... Oh, il y a quelqu'un qui a fait son level. Sweet. Mike, niveau 100, merci. Il te reste 4 jours à peu près, Mike. Let's go. C'est ainsi et pourquoi pas. Didi. Je repars à chaque instant. Je m'en vais et ne m'en veux pas. Si t'as le temps de pogner le 400, c'est parfait. Sinon, si tu veux juste maximiser, là, je te dirais niveau 150, là, le rapport temps passé à jouer par rapport à cash que ça me donne, 150, c'est très bon. Non, c'est ça. Rends-toi pas à 400, ça risque d'être long. Rendu là, c'était plus pour ceux qui commençaient le mois, t'sais. Ça se fait peut-être, là. Moi, je l'ai fait en 4 jours, mais t'sais, je l'ai fait dans mon propre intérêt, fait.
c'est différent. Le 150, c'est pas une facile. Je sais que je n'entreprends pas ce voyage avec toi. Ouah, 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 ouah. Je sais que tu t'en vas très loin. Tiens, je vais aller le mettre en stock, lui, avec très loin sans Raymond Berthiaume pour les amants. Mais mon cœur sera là. La, 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 la. Il sera là. La, 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 la. Mon cœur sera là. La, 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 la. Je crois en toi, je t'attendrai, car tu m'as bien promis. Wow, un autre abonnement! Kazoo, allô! 33e mois, ton mois chanceux! L'âge du Christ, tabarnak! Merci! Je serai là! Mettre ça en stock. La 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 la. À ton retour, je serai là et je prendrai ta main. Mon âme chantera de joie. On est en train d'écouter une surprise. La 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 la. Enregistré, voilà, on enlève ça. Un petit parking des heures, voilà. Oui. Ça crie d'amour, ça gueule de bois, ça parle au diable, ça tord le bras. Ça rit du fou, ça flatte fort, ça pas raison, mais ça jamais tort. Ça connaît rien, mais ça jase de tout. Ça a l'air d'être bien, mais ça chante contre tout. Ça te rit dans la face, ça pleure dans le dos. Ça fait des grimaces et puis ça se passe bien beau. On va venir fou, fou. Mais ça peut prendre du temps, on va venir fou, fou. Vous, madame, c'est folle, folle, folle. J'en ai qu'à Christine. Fou. J'en ai fou, fou, fou. Fou, fou, fou. Toi, c'est folle, folle, folle. Mais non, fou, fou. Vous allez gagner des ballons. OK. On gèle l'hiver, on crève l'été. On aime la chaleur s'il y a l'air conditionné. On s'achète un char pour pas marcher. Puis après, on marche pour épargner. On dit que la vie est courte, mais on trouve le temps long. C'est plus beau par la route, mais l'avion c'est moins long. On a des prix qui montent, la qualité qui descend. La dépression nerveuse de moins en moins de religieuse. On va venir fou, fou. Mais ça peut prendre du temps. On va venir. Vous êtes pas pire là? Moins en moins de religieuse. Mettez vos mains ensemble là. Ok. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Attendez un peu pour les filles qui sont vierges, les ballons qui sont blanches. Attendez un peu là. On va venir fou. Mais ça peut prendre du temps. On va venir. Vous c'est folle, folle, folle. Faites ballon pour vous, fou. Fou. Mais ça peut prendre du temps. On va venir fou. Fou. Folle, folle, parfait. Elle a gagné sa ballon. Braveheart, je l'ai déjà eu en stock. Oui, il y a déjà eu une réédition de ça. Fou. On est aussi bien. Tout de suite. Oh, demande spéciale. Tiens. David Bowie Low. Tu l'as sur ton téléphone en attendant, c'est bon. C'est 38$, hein, je l'avais pas mentionné.
Yep. Non, attends, je l'ai pas écouté. What in the world? Royal Regin, $46, Peter Sakosh. Royal Regin. Again. C'est un double. Royal Regin. Tiens, on peut mettre le bac à jour aussi, hein. Qui est mon bac à jour. Voilà. Non, c'est 45, pas 46, Royal Regin. Je sais bien qu'une pièce changera pas grand-chose, mais c'est 45. Mets-le dans mon bac, merci! C'était mon dernier. On va enlever ça d'inventaire. Royal Regin. Hop. Ah, prochaine tour. Peter. Merci, Peter. On va aller enlever ça. Tadadam. C'est bon, hein? L'eau de David Bowie. Je sais pas s'il y en a parmi vous autres, c'est la première fois qu'il écoutait ça, mais je vais le laisser un petit peu plus longtemps, lui, parce que... Je sais pas. C'est juste ça bon. On dirait que je file pour ça, le matin. Est-ce qu'on reconnaît le Brian Eno dans celle-là, hein? C'est vraiment un mix de David Bowie puis Brian Eno, celle-là, là. Royal Régime. Don't you wonder sometimes?
Salut Manticore. On continue. J'ai trop de doute. Ça. Je sais pas. Il y a quelque chose là-dedans là, qui me rentre dans l'oreille, qui veut me rester dans la tête. On dirait que j'ai vraiment le goût d'écouter ça aujourd'hui. David Bowie. Je vais sûrement la réécouter aujourd'hui au complet.
J'aime ça quand ça fait ça. On dirait que c'est la musique qui correspond à ce que j'ai le goût d'écouter présentement, exactement. Un peu rock, un peu fucky, un peu riche. En même temps, ça reste très accessible. C'est pas tant fucky. Fatigante est encore là à l'autre bord. Elle désespère pas, elle va l'avoir son remboursement pour ses deux bas gauches. C'est choquant d'acheter deux bas gauches. Elle va l'avoir son remboursement. Télé-dou. Télé-dou. Alors je pas. Voilà, ouais. Après ça, on va passer à autre chose. Ça fait quand même un bout qu'on l'écoute. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de disques à vous présenter. On va peut-être aller faire un tour du côté de l'usager. Qu'est-ce que j'ai là? Ça, c'est neuf. Ça, c'est là. J'ai beaucoup de neuf, par exemple. On va y aller par un usager, mais après ça, il faudra continuer dans le neuf. Un petit peu de prog canadien-québécois. L'autre disque de Cano, Eclipse. C'est pas le même qu'on a présenté la semaine dernière ou l'autre d'avant. Soleil, mon chef. Va être la pièce qu'on va l'écouter. 8$ pour ça. C'est pas cher. Hein? Tiens. C'est parti. Continue dans la musique de drogué. Dans la musique prog. Bon, c'est tout. On va marcher trop fort. Pas fait de bruit. Non, c'est pas Keb, mais c'est pour ça que j'ai dit Canado Keb. Pas réveiller personne. Pas fait de trouble. Pas fait de trouble, mais tant mieux pour moi, hein? C'est dans la liste de Proc Québec. Oh, solis, mais c'est franc-ontarien. Soleil, arrête d'ignorer. Il dit qu'il y avait une demande spéciale. Parfait. J'ai trop de bonheur. Tiens, on va mettre ça tout de suite, la demande spéciale. C'est parti. Mon drapeau acadien vient de Taïwan. Ah oui, elle est bonne celle-là. Je sais pas si c'est ses albums, je pense que non. Hop, oh, ma cabane à oiseaux fait de l'ombre. Un petit peu. Down, 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 down. Mon drapeau acadien vient de Taïwan. Oui. Mon drapeau acadien vient de Taïwan. Hein? Ma musique vient des États, ma voiture est German. Dans l'Italie, ah ben c'est ça, hein. On a été noyés dans d'autres messages. Et puis de la France, du Scovon. Même les francs viennent de l'Arctique, puis les vins venaient de loin. So dis-moi, qu'est-ce qui est vraiment acadien? Mon ukulele est hawaïen. Puis le Chinese food est vietnamien. Mes fruits viennent du Mexique, mon pizza libanien. So dis-moi qu'est-ce qui est vraiment acadien. Mon drapeau acadien vient de Taïwan. Da, 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 da. Mon drapeau acadien vient de Taïwan. De l'Inde
Ben, Manticore, c'est un peu cajun à base. Et Taïwan. C'est ta Cayenne. Cajun, ben c'est toute la même famille. Hein. Quand on parle de Cajun, on parle habituellement plus du sud. Là. Mais. C'est d'Atelion. Ben, il y a des régionalismes, là, mais ouais. Ça reste de la musique de francophones déportés. C'est pas tout à fait la même affaire. Cajun, habituellement, ça, c'est ça. Ça parle plus de la New Orleans. Taïwan. Mais c'est la, ça part toute la même place. Taïwan. Mon café vient du Paraguay, mes drosseaux égyptiens. Et puis mon drapeau à Cajun vient de Taïwan. Ouais, mais c'est parce que t'es arrivé trop tard, Kazoo. Là, on remet notre canot. Merci beaucoup pour la demande spéciale. Quand on parle aussi d'épices cajun, habituellement, on parle des épices de la cuisine de la Nouvelle-Orléans, de la Louisiane. Comme quand on parle habituellement de Zachary Richard, on parle de musique cajun. Salut, Man Mart. Un autre Texas aussi, des Cajuns. Ben, ils ont été ce qu'ils voulaient, hein, après ça. La plupart se sont installés quand même en Louisiane. Jordan Thibodeau, ça me dit rien vite demain. Pour connaître un Jordan. Soleil, mon chef, va donc te coucher. Pourquoi ne passes-tu pas une ombre ou deux sans m'éveiller? Voilà. Oublie donc quelques journées. Tes enfants sont agités. Salut, Dredge. Chauffer leur tête que maître. Ils ne te connaissent plus. Ils ne t'ont jamais connu. Qui est encore plus prog slash fucké ce disque de Cano là que l'autre qu'on a écouté l'autre jour qui était plus folk. On dirait que se sont laissés là. Le chanteur comme ça là, qui parle par-dessus la musique puis qui dit des textes un peu flyés. Là. Le groupe était plus installé et fait plus de risques. Parce que le disque qu'on a écouté la semaine passée, je pense, au nord de notre vie, il était sorti l'année d'avant celui-là. En 84, Cano a sorti un dernier opus qui est pas super bon. Très, très musique électronique. Quasiment New Age, me semble. Je l'ai écouté une fois ou deux, puis à chaque fois, je fais comme... Oh.
comprends que c'est le dernier. Genre. La coopérative des artistes du Nouvel Ontario, CANO. Selon Discogs, ce serait l'artiste qui a été le plus populaire à l'international pour ce qui est des artistes franco-ontariens. En termes d'artistes franco-ontariens, il y en a d'autres là, qui ont pogné pas mal, mais peut-être pas à l'international. Eux autres, ils ont dû jouer en France, puis dans des festivals genre... Des festivals de jazz, puis de nouvelles musiques, là. Ils ont dû pouvoir jouer à l'international, mettons. Tu sais, Damien Robitaille, oui, ça a un gros succès aujourd'hui, mais je pense pas qu'il est connu en France. Pour avoir un succès international, faut avoir du succès dans plus qu'une place. C'est ça qui arrive. Formé à Sudbury. Ça fera toujours bien Sudbury. À Sudbury. C'est beau! Non, c'est long! C'est long, Tario! Je savais même pas qu'elle était franco-ontarienne. Encore là, tu sais, c'est Discogs. Fait que ça veut pas dire que c'est la vérité. Je vous rappelle que ce n'est que 8$. 8$, je vais aller mettre ça sur mon Discord, ainsi qu'ailleurs. Nous autres, c'est différent dans Discord à cause de... Habituellement, les artistes qui francophones... J'essaie de réfléchir, voir. Souvent, les artistes qui vont être connus, genre, dans le reste de la francophonie canadienne, vont être aussi connus au Québec. Parce que même depuis les dernières années, puis depuis un peu tout le temps, là, au Québec, on semble attirer vers les artistes francophones hors Québec. On aime bien ça. Surtout là, de ce temps-ci, tout ce qui vient de l'Acadie semble pogner pas mal. On est dans une période où c'est à la mode. T'sais, on a Lisa Leblanc, on a Sale Barbe, on a Petit Béliveau. Quand même beaucoup. Je pense que ces artistes-là ont besoin aussi des francophones du Québec pour pouvoir subsister puis avoir un public. Rock, ben là, ça fait une couple d'années à Rock. Mais tu sais, vois-tu, Rock a eu une carrière internationale. Il est pas ontarien, Rock. De où exactement? Quelle ville, Rock Voisin? Ça dit-tu son crédit? Saint-Basile. C'est devenu Edmundston. Fait que c'est dans un quartier, c'est ça. Dans une ville maintenant fusionnée à Edmundston. Saint-Basile, ville indépendante avant. Oh oui.
un braillon. C'est quoi braillon, Kazoo? Le Nouveau-Brunswick, I guess. C'est le gentillé de Nouveau-Brunswick. C'est comme les Acadiens des montagnes et des forêts. Oh, OK. Ouais, c'est vrai, parce que les Nouveau-Brunswick, c'est Nouveau-Brunswick quoi? C'est une autre sous-race. Les Acadiens des montagnes, tu parles comme si c'était des... C'est comme des Acadiens, mais des elfes. Ils vivent dans la forêt. Certains en ont vu. Il paraît qu'ils ont les pieds poilus, mais des longues oreilles. Mange des ploys. Pas des espèces de trucs de pâte qui flottent sur l'huile, ça, des ploys. Je n'en ai jamais mangé, mais il me semble qu'on m'avait déjà expliqué c'était quoi. Ouais, c'est pas des espèces de... Ouais. C'est pas des crêpes qui sont faites flottant sur l'huile, ou je me trompe. Il me semble que j'ai déjà vu ça dans une émission à TV, là. Prenait une espèce de cuillère à trous là, pour les revirer pendant qu'ils cuisaient en flottant sur l'huile, c'est tout ça. Ah, ça, c'est des grands-pères dans le sirop? Je sais pas. Pas vraiment, j'utilise ça comme un pain. Je devais parler des grands pains dans le sirop d'abord. Soit il y a une affaire qui... avec un peu de canot, vu que c'est pas vendu à 8$. Un peu de canot. Après ça, on va retourner dans le 9. Il n'a pas été révisité de disque de Record Store Day pour l'instant. On va peut-être aller en écouter. Hein. Captain King Blue Man doing every third leap year cold camouflage. In the blooms of the sea and the sky. It's Bobby Shop Top. Old timer yarns and revised rumor. Mystery in the belly of the harbor. Il y a quelqu'un hier qui m'a acheté pour genre 110$ de musique traditionnelle. Pour moi, il se prépare un jour de l'an, lui là. Ça fait bien rire quand j'ai reçu ça hier, j'étais content. C'est de la musique que j'aime beaucoup, comme vous savez. Par contre, la livraison gratis, là, quand Post Canada est plus en poste, c'est poche.
commence à avoir une couple de livraisons en suspens. Ça se réglera pas bientôt, j'ai l'impression. Hey, y'en a-tu qui ont mangé le premier chocolat? 8$ vendu le canot, merci Bendy London. On va aller revisiter un disque qu'on a eu au Record Store Day. On va le mettre sur les plateformes en ligne et tout ça. Ben, ça va être ça. Peut-être qu'on va en trouver une version autre aussi. Salut Gadi Poulin! Moi j'ai mangé mon premier chocolat. C'est mon premier calendrier. Tu peux même en manger deux. Oh, t'en avais jamais eu avant? Y'a-tu un jour que t'en feras pas référence? De quoi tu parles, Gadi? T'as-tu grandi dans une secte puisque tu pouvais pas fêter Noël? T'en as jamais eu non plus, Mathieu? Moi, j'ai l'impression que j'en ai eu à partir... Ben, à ce temps, il y en a au Dollarama qui était... Ben, t'sais. Mais... je sais pas quand... J'en ai eu un genre... je pense fin de l'adolescence, c'est devenu à mode. Quand j'étais bien jeune, je connaissais pas ça. Hein. À un moment donné, c'est arrivé dans ma vie, ça, les calendriers de l'Avent. Marcel Aymar de Canot et Canadien, oui, ben c'est pour ça. Ça s'appelle, il était tout physiquement en Ontario, mais je suis pas mal sûr qu'il y avait un ou deux Québécois aussi là-dedans. Mais la base est en Ontario. On a le Saint-Nicolas de la Noël. Vous avez plus ou moins deux cadeaux de Noël dans ton... Ah ouais? Cool. Merci, Cano. C'est parti pour un peu de... Rigodon là. Merci encore, Benny London. Plus ou moins Rigodon Lola. Lola. Ah oui, non, mon garçon! Y'a-tu des gars qui veulent coller? Y'a-tu des filles qui veulent soigner? Oui! Y'a-tu des gars qui veulent coller? Y'a-tu des filles qui veulent soigner? Joue un rigodon long là. Ah oui, non, mon garçon! Salut Marc, c'est l'instrument qui vient de se joindre à nous. Y'a-t-il du monde qui veut chanter? Y'a-t-il du monde qui veut danser? Y'a-t-il du monde qui veut chanter? Oui, non. Y'a-t-il du monde qui veut danser? Joue-moi, rigolons dans le lac. Laisse-le dans le long long. Oh, ah, c'est pas, j'aime pas tant ça des Smarties, moi non plus. Y'a-tu de la bière pour nos gosiers, c'est Jean-Pierre? Y'a-tu de quoi près pour nos soins un peu? Ouais! Y'a-tu de la bière pour nos gosiers chez vous? Ouais! Y'a-tu de quoi près pour nos soins c'est petit moins? Ouais! Joue-moi, rigolons-là, laisse-le dormir dans l'eau. Fais-nous du talon-là, fais-le du talon-là. Joue-moi, rigolons-là, laisse-le dormir dans l'eau.
laisse aller ton violon bombé. On va l'écouter un peu de... Mais là, je le trouve toujours pas. C'est... Fragile Outtake. L'album de Yes, qui est très bon. Mais ça, c'est les outtakes de cet album-là. Du premier line-up de Yes. Parce que vous savez, Yes, maintenant, il n'y a plus... Il reste plus grand substance. Fait que je vais aller faire jouer des tunes, mais je suis pas sûr exactement que c'est les versions qui sont sur le vinyle. Parce que ces versions-là sont déjà sorties avant. D'abord. We have even. Ouais, ça serait celle-là parce que c'est un Steve Wilson mix. C'est assez André, hein. On va aller voir c'est combien ça que ça coûte. Version alternative de cet album de Yes. Je le faisais à combien? Je pense que c'était 45. On va aller vérifier. Fragile. Vendu le Bowie, yes, merci Gadi. Merci Gadi. C'est bon, on l'a fait jouer pour longtemps en plus à matin. C'est un des Bowie que j'aime bien. Ben ça veut dire que c'est mon préféré de Bowie, mais en même temps, je ne les ai pas tout écoutés, je pense, les albums de Bowie. Je me garde une petite gêne. C'est beau. On va l'enlever aussi, tu me l'enlèves aussi. About. Mais je pense pas que c'est un outtake, mais c'est une bonne tune de Yes qui est sur cet album-là. C'est juste que la version que vous allez avoir sur l'album va être un peu différente. Là. J'ai pas trouvé l'album complet encore sur... Ben, faut dire, c'est sorti vendredi. So, c'est ce que ça fait. On va tout simplement aller écouter une tune de l'album original. Ben, Hello, il est bon dans son entièreté, Marc. Ça vaut la peine que tu ailles l'écouter. Très Brian Eno-esque, là. En fait, c'est dit comme étant un album de Bowie, mais c'est quasiment plus un album de Brian Eno. Ou du moins un album en collaboration. Bon. On va aller mettre Fragile Outtake sur mon magasin. One mile over, we'll be there, and we'll
Tiens, on va le mettre à l'écran. Un disque Record Store Day maintenant en stock régulier. Non, c'est pas la version du Record Store Day nécessairement. Non, en fait, c'est pas elle. C'est celle-là, la remaster de 2024. Ce qu'on entend, c'est une version. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une version originale, une version remaster de 2024, puis une version outtake de cet album-là que j'ai pas trouvé vite de même. Plein de différents sons. Ça devient bizarre. Il existe combien de versions? Et ça se peut que cette version-là. Vois-tu celle qui existe sur l'album? Elle serait nommée Early Rough Mix. Mais il y a des alternate version, des Early Rough Mix, des Early Take, des Steven Wilson Mix. Et c'est tout. Fait qu'il y a quatre différents. C'est vraiment un album qui a été composé avec des versions alternatives des mêmes chansons dans le même ordre que l'album original. Celle-là qu'on entend, ce serait la version du remaster. Ça vient du site web de Discord, pas le Discord, le YouTube de Yes. Yes, le gros. Ah tiens. Pourquoi pas. On va aller écouter ces deux-là après. Écoutez un peu de Green Day. C'est la version du Record Store Day qu'on. Ben pas qu'on écoute, mais que j'ai eu. Thank you.
Hey, ça sonne bien, ce remaster-là, maintenant. Je sais pas si... pas plus, je compare pas présentement avec la version originale, là, mais... Il me semble qu'on entend vraiment bien les instruments, indépendamment l'un de l'autre. La bass, surtout, là, elle sonne super bien. Je ne sais pas s'il y a physiquement encore un orgue. Je pense pas. Au forum, il y en avait un, c'est sûr. Je sais pas si au centre... Oui, il y en a un. Fait qu'il y a encore physiquement un orgue au centre Molson. C'est une belle tradition. Je suis content qu'il existe encore. Ah, c'est ça, des claviers. Mais moi, je veux savoir, y a-t-il encore un truc avec des tuyaux, là? Ça doit plus... Mais s'il y a une place qu'il y en a encore un, ça serait au centre Molson, à cause, tu sais, les Canadiens, c'est tellement une vieille équipe, peut-être. Diane Bibeau. Mais une organiste, ça, oui, mais... On s'en va écouter du Green Day. Ouais, sur clavier, hein? Ben, c'est ça. Ben, au moins, il y a un clavier, c'est pas juste... Tu joues bien ça. Green Day... Wanna be an American idiot. Je l'avais plus en stock depuis un petit bout de temps. Fait que si vous cherchiez à avoir une copie de... Je sais qu'ils ont sorti une copie spéciale dernièrement. Ils ont sorti une autre copie, là. Ça doit être 20e anniversaire, I guess, là, quelque chose comme ça. Mais elle est quand même assez chère, puis il n'y a pas tellement de nouveautés. Fait que je continue à commander la version originale, moi. Parce qu'elle est moins chère, puis en quelque part, c'est ça l'album que vous voulez. 40$, ouais. C'est quand même pas cher pour un double. J'en suis surpris. Salut Benoît 101! Les Chicago Blackhawks ont encore un orgue. Ah ouais? Ben ça aussi, ça fait partie des très vieilles équipes. Partie du Original Six. C'est quoi les Original Six? On a les Canadiens, les Blackhawks, Détroit. Ouais. Boston, c'est vrai. Toronto, il en manque une. Rangers, voilà. Original Six. Un gang. On les a tous dit. Je t'avais tu dit allô? I see blood, je sais pas. Je pense pas. Allô? Bam. Alors, tu l'as peut-être juste pensé, mais je l'ai pas entendu si tu l'as pensé. T'es buzzé sur le side, c'est correct, hein? Je considère que je suis un stream qui s'écoute vraiment bien en travaillant ou en lurk. Fait, je vois ça sur le côté, on fait son travail. Je pense que ça s'écoute comme la radio. Le Boston qui fêtait leur 100e hier. Hein? American Idiot. Pendant qu'on écoute ça, je vais aller chercher la bonne version. On va mettre ça sur les magasins en ligne. Ouais, ça doit être 20e anniversaire parce que c'est sorti en 2004. Je savais trop, mais je me doutais bien que c'était 20e. Déjà 20 ans. Tu sais que je me réfère à cet album-là comme étant genre le nouveau disque de Green Day, des fois. Je me souviens de cet album-là comme étant le nouveau disque de Green Day. Ça fait déjà 20 ans, Galias.
Il y en a eu une coupe après. Yeah. L'orgue de Moncton dans le général. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je peux pas vraiment aller voir. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, l'orgue de Moncton? Oh, un nouveau follow, Nico Bou. Allô, Nico Bou. Bienvenue chez vous. C'est le jukebox. Il y a juste Chicago qui a encore un orgue traditionnel. Me semble. Mais à date, c'est ça qui a été confirmé. Le seul, je sais pas. Des fois, là, c'est écrit tellement petit que c'est pas parce que c'est vu. Regardez. Ah, c'est écrit petit en tabarouette, là. Je pense pas que j'ai besoin de lunettes. C'est juste que... On est petit pis petit, là. Il y en a un aussi. Ouais, ça doit être les vieilles équipes des fois qui doivent en avoir. Je vais vérifier à Boston s'il y en a un. Ah, moi aussi, Nico, Green Day, Dookie. J'étais peut-être en secondaire 1 ou secondaire 2, ça a été marquant. Ça, tantôt, avant que tu arrives, je disais, pour moi, ça, c'était le nouveau disque de Green Day. Là. C'était le... Ben, il y a quand même un renouveau là-dedans. C'est là qu'ils ont... Ils ont... Pas qu'ils ont quitté le punk pur et dur, mais ils sont devenus davantage un groupe pop. Pas qu'ils l'étaient déjà un peu avec Dookie, mais... T'sais, ils ont fait une comédie musicale avec cet album-là, fait que ça veut un peu dire, ouais, c'est ça. D'autres sujets, plus matures, tiens. Oui, puis surtout un disque qui était de retour dans les charts. Ça a pogné fort, Green Day, American Idiot. Contrairement à d'autres albums qui ont eu des succès plus mitigés, là. Warning, ça a pogné, mais... Nimrod... Ça a été un milestone, disons. Les 5 plus gros arénas de la Ligue, il y a juste Québec dans la liste. Le reste, c'est des Maritimes. Tu veux dire au Canada? Dans le junior majeur. Ouais, ben Québec, c'est un peu par accident. On s'entend que les Remparts, t'es pas supposé jouer au Centre Vidéotron temps plein. Pam,
I don't care. Il est pas cher à 40$. Je trouve ça fun de pouvoir le faire encore à ce qu'il veut. Parce que c'est un double. Ah, j'aime ces transitions-là dans Green Day. Il y en a une coupe, hein? Ils ont souvent fait ça, Green Day, même sur les autres albums. C'est pas une transition genre fade-in, fade-out de l'autre tune. C'est juste que l'autre tune d'après commence rapidement. Puis on dirait que ça... Je sais pas. Je suis sûr que vous savez ce que je veux dire, là. Ça arrive souvent dans Green Day, ça. Entre deux tunes, des fois, il y a presque pas d'espace. C'est pas partout la même tune, mais on dirait qu'à... Elle veut s'enchaîner rapidement. Le premier album physique que t'as eu, là tu parles en CD genre, quasi? Bon, mon premier CD que j'ai eu, c'est l'album du Peuple Tourne 2. Parce que je l'ai reçu même avant d'avoir un lecteur CD, c'est ma sœur qui me l'a acheté, mon premier CD. Premier vinyle, je peux pas m'en rappeler parce que... C'est proche que je me rappelle pas du premier 10 vinyle neuf que je me suis acheté genre dans les dernières années. Le premier CD que j'ai obtenu, moi, c'est l'album du Peuple Tourne. Noël 2004. Quand tu étais tout jeune, Kazoo. Quand tu étais petit en crise, tu avais genre 8 ans. Quand même jeune. Sur Green Day. Quoique dans le temps, on avait plus besoin d'albums physiques. Là. C'est parce que je compare toujours avec mes parents, avec mes enfants à moi. Tu sais, mes enfants m'ont jamais demandé un CD parce que les enfants d'aujourd'hui, ils font comme moi. Ouais, mais pourquoi je dépenserais de l'argent pour avoir quelque chose que je peux avoir gratis sur Internet? En plus, ton petit disque, il n'y a même pas d'image. Hein? Salut, Patoff! Troisième année, 9 ans. Pom. Premier vinyle neuf que j'ai eu était de toi, Yes Dredge. Merci. Premier concert à vie, t'avais 7 ans, Chaudron. Moi, premier concert à vie, j'ai tendance à dire que c'est Kiss. J'ai sûrement vu d'autres concerts avant, mais mettons, gros concert d'envergure. Il a été très mémorable pour moi, mon premier concert de Kiss. Premier vinyle 9 HMV en 2008. Ben, moi aussi, probablement, je pense peut-être... Ah, oh, attends, j'ai des souvenirs, Kazoo, là, qui me reviennent. C'est soit le premier disque des Ramones ou le disque de Rage Against the Machine. Puis dans ce cas-là, moi aussi, c'était chez HMV dans ces années-là. J'ai vu Kiss à Québec dans le temps que j'étais à Jonquière.
Il y avait quelqu'un qui vendait des billets, ça coûtait 100$, puis il organisait l'autobus en même temps. On est monté au Colisée de Québec voir Kiss, c'était excellent. Toi, c'est Megadeth Rust in Peace. Hey, un lecteur CD portable. Hey, ça, c'était ce que tous les jeunes voulaient avoir à la fin des années 90. Salut, bon vieux temps. Puis ton rendez-vous, ça a bien été. Combien? 40? Pas si pire, hein? 40$ pour un double. Un petit bout qu'on l'avait pas eu en stock. Ils ont sorti dernièrement une version 20e anniversaire avec des disques de couleur, puis même en version coffret. Mais c'est beaucoup plus cher, fait que je commande encore juste le Green Day comme ça. Au moins d'une commande spéciale, là. Il y avait VG. Non, qui il y avait. Vendu, bon vieux temps, merci, bon vieux temps. Yo! Yeah! Dans ton bac, mon vieux temps. Je vais enlever des stocks. Surprise! Parfait, monsieur Mathieu Gingras! Allô, allô! Comment ça va? The Vars of Broken Dreams. Hey, j'avais complètement oublié l'existence du Cyber Monday. C'est-tu que j'ai trouvé ça drôle quand j'ai reçu des courriels de Cyber Monday? C'est comme... My God! Là, ça fait 2 semaines que vous fêtez le Vendredi fou, que c'est les mêmes promos depuis genre 2 semaines, parce que vous mettez ça fucking d'avance à cette heure. Puis là, vous allez me faire à croire que vous avez des nouvelles promos pour le Cyber Monday, puis que c'est pas les mêmes hosties de promos qu'il y a depuis 2 semaines? Hey! Le Cyber Monday, c'était dans le temps qu'on commençait à acheter sur Internet, vous en rappelez? Sacrement, arrêtez, là! Ah oui, il y a des magasins dans ton coin qui ont fait des samedis débiles. Savez-vous quoi? J'ai fait aucun événement pour le... Ben, j'ai fait le Record Store Day, mais... C'est pour ça que je fais mes spéciaux à Pâques. Je veux savoir quand est-ce que je fais des spéciaux dans lesquels vous pouvez avoir des pourcentages de rabais sur même mes disques neufs. Dans mon cas, c'est à Pâques. Juste pour faire chier. Je suis tellement tanné de ces spéciaux-là qui sont pas des spéciaux. Si vous voulez fêter quelque chose de spécial, nous autres, ici, on a la Pâques, hein? La Pâques, hein? C'est ça qu'on fête sur ma chaîne. Les rabais de Pâques, c'est-tu? Non. T'as pogné des bons rabais pour le Cyber Monday? Ben, je dis pas qu'il y a pas des bons rabais. Je dis juste que c'est les mêmes rabais qu'il y avait il y a 2 semaines, j'ai l'impression. En tout cas, si tu regardes sur Amazon puis sur les plateformes, mettons, plus communes, non? Ouais. Ah, ce chaise d'ordi, c'est bon. C'est, envoie-moi le lien de ta chaise d'ordi. Tu l'as-tu acheté sur Amazon? Je suis curieux de voir. Je veux pas enlever ça. On écoute encore du Green Day, OK? J'ai pas le goût.
pas l'enlever. Aujourd'hui, on dirait que je t'accrochais à ma musique. Le Sermitain Marmiveau qui dirait, ben oui, mais t'es toujours accroché à ta musique. À un moment donné, quand c'est vendu, des Chris le 10, mais un nom. Mais non. C'est ton tien, ben oui, ton tien. Il est là, là. Tiens, ta copie. On va écrire ton nom dessus, d'ailleurs. On va aller en commander un autre tantôt. On the BVT. Ton tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est ce qu'on dit, hein? OK, fait que c'est ça ta chaise. Parfait. Maintenant, je vais aller faire ce que je veux. Ben, là, c'est écrit 199,99. Toi, tu dis que tu l'as payé 150, Bendy? Tu l'as payé moins cher que ça? Non, t'as dû te tromper. OK. On va aller voir sur Camel, Camel, Camel. Voilà. Tu connaissais pas Camel, Camel, Camel? C'est un tracker de prix pour... On va aller voir si tu as eu un vrai rabais ou un faux rabais. Et cette chaise-là, c'est déjà vendu 330, donc c'est à son plus bas. Donc, tu as bénéficié d'un vrai rabais. Selon Camel, 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 elle s'est déjà vendue aux alentours de 300. Donc, c'est vraiment un high time low. Mais ça fait depuis le 21 novembre qu'elle se vend ce prix. Je veux dire que c'était pas tellement un sol du cyber, tu sais. C'est ça. C'est un sol de... C'est pas un sol de Cyber Monday nécessairement. C'est un solde de vendredi et chevant Noël. Oui, une chaise pour gros monsieur, c'est assez dans le neuf. Là. Moi, mon truc, Bendy, c'est... Il y a un magasin usagé qui reprend ici des meubles de bureau. Fait que je prends des chaises usagées, mais du gouvernement, mais des fois, Christy, il n'y a pas de défaut. C'est juste c'est des chaises qui valeraient peut-être 500-600$ que tu es capable d'avoir à 100$. Pour ça, à Québec. Là. Marketing, ouais. Non, j'oublie pas la surprise, Zig. C'est pas dans mon habitude. D'ailleurs, je vais aller la chercher. Je n'étais pas en train de l'oublier, celle-là. Hop! Voilà. Il n'a connu que des culs de fonctionnaires qui travaillaient à peine. C'est pour ça qu'elle est confortable. C'est neuf. Quoique non, ben de l'autre côté, un fonctionnaire reste assis sur son cul. Fait que le fessier doit être usé à corde. Ça dépend comment tu vois ça. Et t'sais, le gouvernement, c'est tellement mal géré que je suis sûr qu'il y a des chaises qui sont achetées dans des bureaux qui sont jamais utilisées parce que le monde est en télétravail, mais il faut une chaise pour le bureau de travail qui sert jamais. Fait que c'est clair, clair, clair qu'il y a des chaises qui ne servent jamais, qui se ramassent là, hein, parce qu'il y en a qui sont, je te dis, là, sont comme là. Tu sais, mettons, une salle de conférence qu'il y a du monde qui vont seulement une fois par mois puis qui ont besoin de nouvelles chaises à toutes les 4 ans parce qu'ils ont un contrat de chaise ou je sais pas trop. Ouais. Voilà. Surprise, mesdames et messieurs. Faut essayer de deviner c'est quoi. OK. Alors là, disque, si tu voulais
C'est stéréo, en tout cas. Haha, ça c'est cool, Kazoo. Ouais, c'est pas pire. On dirait un... Elle joue dans Austin Powers, carrément. Vous êtes tellement beaucoup à dire que ça sonne Austin Powers que... C'est clair qu'Austin Powers a des tunes qui sonnent de même, mais là, je suis pas sûr que c'est une tune de Austin Powers. Non, c'est ça. Mais ouais, je comprends. Ça file genre... psychédélique. OSS 117. Ouais, ça file. Le petit piano, c'est quoi? Un album compilation. Wow, j'adore la pochette, regardez. Bongo, flûte, guitare. C'est quoi ton album, Robert? Ben, c'est du bongo, des flûtes, puis de la guitare. Oh, puis. Oh, j'aime. J'aime vraiment la pochette, en fait. C'est quoi que ça vous inspire, le dessin qui est en bas? Elle est belle en crisse, hein? Elle ressemble à une vieille pochette de jazz. Oui, c'est une clope. C'est clairement une cigarette, moi aussi, je trouve ça. Wow! Quelle belle surprise! Je vais aller vous mettre ça... Je vais aller la mettre à l'écran. Oui, le cover est malade. Je sais pas si ça vaut bien cher. Quelle belle surprise! Ah, ils peuvent pas tout être mauvais. On peut pas tout pogner tout le temps du bongo. Flûte. Guitars. C'est parce que la pochette est minimaliste, puis le titre aussi. J'adore ça. Je mets ça à l'écran. Tiens. C'est stéréo. Bongo, flûte, guitare. Wow. Ça ressemble à une vieille pochette de jazz. Ça tombe bien, c'est ça. Ouais. Full program and technical data presented in detail on inside pages. OK. Il y a vraiment la description de toutes les tunes avec qu'est-ce qu'on peut y entendre et le pourquoi des chansons et de où ce que ça vient. Ce n'est pas un disque canadien. Il n'existe pas en version canadienne, on dirait. Donc ça doit être une version US. En stéréo. On va voir les versions US stéréo. Sur les disques Commons. Je connais même pas cette étiquette de disque-là. Made in USA. Ouais. C'est pas cette version-là. C'est un disque à 5$, guys. Juste pour la pochette, ça vaut la peine. Qui le veut à 5$? Bongo, flûte, guitare. C'est nice, hein? Chantal, merci beaucoup.
On l'écoute encore un petit peu. Qui a collé la surprise? C'est MMG. Merci beaucoup d'avoir collé la surprise. On a eu des belles surprises aujourd'hui. Ça, c'est le genre de surprise que j'aime. Un disque pas cher, puis intéressant. Puis la pochette, qu'en dire? J'ai hâte de la montrer à mes enfants. Pensez-vous qu'ils vont... Wow! Merci, Mathieu. Pensez-vous que mes enfants vont reconnaître qu'est-ce que c'est? Il manque un point ici. Hein? D'ailleurs, vous les voyez pas, mais les points sont... C'est des trous dans la pochette. La pochette est trouée, hein? On va au travers. Regardez. Les points sont verts. Ta-dam-da-dam. C'est en toi qui a pas de bain raide. Je comprends. Même le minimaliste du titre aussi. Et c'est comment qu'on appellerait bien notre disque? Bongo, flûte, guitare, me semble approprié. Oui. Oui, on voit même grand à travers moi. C'est la phrase que je vais avoir le plus dit aujourd'hui, mais j'ai pas le goût d'enlever ça. J'ai pas le goût de l'enlever tout de suite. On va en écouter... On finit celle-là, puis on en écoute un autre après. La phrase de la journée. On l'écoute encore un peu. Bongo, flûte, guitare. Hey, on cherche-tu un nom pour notre groupe de... Oh, stéréo. Hein, ça, c'est l'époque où ce qui abusait du stéréo. Hein. Comme là, c'est gauche. Des fois, c'est à dos. T'sais, c'est le stéréo gimmick. T'sais, quand on n'utilise pas le stéréo pour faire croire quelque chose, mais bien pour... C'est comme un, tu t'en vas voir un film 3D, puis là, ils font comme « Wow! » Wow! Juste pour te montrer que c'est du 3D. T'es bien fort de ça dans les années 60. La la li da li da dam. C'est quoi le lien que tu m'as envoyé, Benny? Soulfly de Sammy Hagar. Quelque chose que tu veux? Offre du cyber lundi. OK. Y'en a-tu d'autres en ligne? 40$ pour un double. Vois-tu, c'est le prix que j'ai vendu. BMG. J'avais complètement oublié l'existence du cyberlundi. Je me suis souvenu du cyberlundi à matin. Ah oui, voilà la flûte.
les sorties du péteux. En fait, c'est bongos, flutes, and guitars. Tout est au pluriel. Hein. Wow. Très beau disque de jazz. Merci, Chantal. On est dû pour une petite toune. Moi, j'ai fait un cadeau à Madelon. Lequel? Le plus beau cadeau qu'elle a jamais eu. Oh. Mon body. Yeah. Oh, j'ai commencé à faire du bodybuilding. Bodybuilding les boys. J'ai commencé à être content. Vous voulez voir ce que ça a l'air? Ça que ça donne quand on fait du bodybuilding. C'est Faf qui devrait être avec nous mercredi. Sauf si il se fait booker un show à dernière minute, alors là, c'est convenu entre nous qu'il préférait les faire de l'argent puis de travailler. Et la date, ça serait confirmé, Faf mercredi. Sinon, ben, mon entrevue avec Faf est sortie sur son YouTube. Ça vous tente de m'entendre en entrevue. Faf and Furious sur le YouTube de Faf humoriste. Oui, bon vieux temps, il nous reste un peu de tape sur la cassette, là. Je vais la garder. Il doit rester à peu près une heure et demie. Peut-être deux heures si on est chanceux. S'il choque, c'est juste un aigle, là. Mais non, on l'a dit que s'il choquait, c'était pas grave. Parce qu'il peut pas préférer, moi, que ça rapporte rien à un truc qui donne un salaire, franchement. C'est comprenable. La pluie mauve. Ah ben garde, je l'ai justement ici. Je vais vous envoyer le lien. Il vient juste d'apparaître sur mon YouTube. Voici le lien si vous voulez aller écouter. L'épisode Faf and Furious. Quand il a annoncé son podcast, je t'avais recommandé à Faf. Mais tant mieux, IC Blood. Mais merci beaucoup pour la pause sa palette, comme on dit. La nuit, la pluie mauve. Alors, on va commencer avec Let's Go Crazy. $75 pour vous, les amis, le prix commercial. Sinon, ben, on va se ramasser sur Discord. Casu. C'est pas des choses comme ça. Bon, on pense que c'est sérieux. Chance d'un capot. As-tu manqué ton vendu? Oui, j'ai manqué ton vendu. Vendu une fois, merci beaucoup. Tiens, tu m'en restes. Ah, la musique m'en fait. OK. Merci à IC Blood. Fait que là, il m'en reste un. Voilà. Au prix commercial. Ah, il y en a un qui l'a acheté à $224, hein. Pas bien, mais là vous devez m'entendre bien. 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Ouais, je peux peut-être me monter puis descendre. Un petit peu. Ça va être mieux comme ça. C'est large. Oh. Je vais le mettre à 200 sur Discogs. Bang! D'un coup.
c'est 75$ pour vous. Je sais pas. Ben, ah, c'est le disque, un disque rouge, un disque bleu. Il y a des couleurs variables. Je sais pas s'il y a des variations dans les tunes. C'est un mix spécial, ça. Je le sais pas. Ça me tente de finir en usager. Tiens. On finit en usager, mesdames et messieurs, avec Tommy James and the Schnuddles. Je ne sais pas ça. C'est qui ça? 20 Greatest Hits. Pour vrai? Connaissez-vous Tommy James and the Schnuddles? Ça me dit rien, moi. Ah, oh, il a l'air à reprendre des tunes. Comme là, il y a Money Money, Celebration, Ball of Fire. C'est un gars de cover, je pense, notre ami Tommy. Tommy James and the Schnuddles. Tiens, on va aller écouter sa version de Money Money. Moins que ça soit sa tune à lui, ça sonne comme l'original. Ah, ça, c'est actuellement bon. Tommy James, on va aller voir, and the Schnuddles. Je vous mets ça à l'écran. Crimson and Clover après, ok. Tu connais, hein? C'est la dernière. Sugar on Sunday. C'est un TV Licker. Tommy James. Tellement un nom commun. Tommy James. The Schnuddles. Sorti autre chose que des best-of. Il y a beaucoup de disques sur roulette. Je connais bien sûr la version de Billy Idol. Hein. J'aime bien ça quand on l'a. Billy. Yeah. 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 TV International. Oh, il y en a autant en vente sur Discord présentement. Moi, je vous fais ça 5$. Pas cher. Il y a des hits sur Discord. Je connais pas cet artiste-là. Tommy James. Je sais pas quoi dire. Je peux monter le son, hein? Et descendre le son du vinyle. 1, 2, 1, 2. Le fameux Hanky Panky, c'est lui aussi. Tiens, j'ai descendu la musique. Je peux la descendre encore. Tiens. Ah ouais, c'est ça. Je connais des tunes, là. C'est juste que je savais pas si c'était lui, version originale. Celle-là. Tiens. Crimson and Clover. Ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais, je connais ça bien comme vous. En plus, il est quand même clean, là.
Puis il n'y en a aucune en vente. Là, j'ai dit 5$, mais je serais quasiment tenté de demander 10. Oui, moi aussi, Mike, me semble que tout est bon aujourd'hui. Si tu viens que moi, ben, on a eu un asti de bon show. Falloir aller mettre un peu d'André Lejeune. Ce serait une bonne idée, c'est qu'on finisse sur une toune pour nous faire mal dans le dos, là. Genre, qu'est-ce que rock'n'roll? Qu'est-ce que rock'n'roll? Qu'est-ce que rock'n'roll? Babadou badou, qu'est-ce que rock'n'roll? Qu'est-ce que rock'n'roll? Qu'est-ce que rock'n'roll? Babadou badou. Goût de tuer. Ah oui, bien le Hanky Panky en plus. C'est de lui, ça. Plein de tunes que je connais, mais je connaissais pas l'artiste qui les faisait. Après ça, on va aller écouter Hanky Panky. La 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 la. Over and over. Carré sur le speed. Ouais, tu vois des petites pelules à Ponégamouk. Ah oui, je vous ai pas dit ça, j'étais à Ponégamouk en 20 semaines. J'ai traversé les lignes américaines puis je suis revenu. Juste pour faire comme, je suis aux États-Unis. Je suis revenu. Parce qu'il y a une place, il y a un petit pont, puis l'autre bord de la rivière, c'est les États-Unis. Fait que si t'en vas traverser le petit pont, puis t'es aux États-Unis. Tu peux rien qu'y aller à pied. Sweet Cherry Wine. Il faudrait que j'écoute ça aussi. Ça me dit quoi, Sweet Cherry Wine? Tantôt, j'étais comme hein, Tommy James, oui, 20 hits. 20 hits, my ass. Non, non. Finalement, tu sais, en plus, c'est sur les disques TV, là. Les disques TV, c'est un peu une version cheap de K-Tel, là. Telle qu'annoncée à la TV. Je me suis fait avoir. Finalement, il y a plein de tunes que je connais. La version originale. Je sais pas, il me donnait l'impression d'un espèce de Tom Jones. Tu sais, un gars qui reprend bien des hits. Là. C'est peut-être à cause du nom de Tommy James. Qui semble vraiment super générique. Musique de fumée de pote, ça. J'aime bien ça. Tiens, on va aller de l'autre côté. Je vous rappelle, hein, je vous fais ça 5$ présentement, mais... Dès que le stream finit, ça va être plus cher. Parce que tant qu'elle vend 5$, je le garderai. Tiens.
fallait connaître ça. Le Inky Pinky. Mais je savais pas que c'était lui, la version originale. Je suis sûr qu'il y a d'autres tunes de même que ça va faire ça, là. Tu sais, ça, là. La connaît. Do the hangy bangy. My baby, do the hangy bangy. C'est vendu à Jean-Michel. Merci Jean-Michel. Hey. Ooh, yeah. Yeah. My baby does the hanky panky. J'étais convaincu, hein? Tant mieux. Alors en plus, il n'y en avait aucun sur Discord, fait que. C'est pas nécessairement un disque qui vaut très cher, mais présentement, il y en a pas d'autres. Fait que 5$ avec les taxes puis le shipping, c'est pas cher. Hey, si on l'enlève tout de suite, on peut en mettre un dernier, par exemple. Qu'est-ce que vous en diriez? Ah, je vais faire jouer ça parce que faut que je remette ça en stock immédiatement. C'est des affaires que je vends sur mon site web vraiment, vraiment très régulièrement. Puis là, j'en ai plus en stock. Wow! C'est Fleetwood Mac. Ça, ça se donne bien à Noël. Tout le monde aime Fleetwood Mac Rumors. Et j'ai aussi le Greatest Hits de Fleetwood Mac à 35, si ça peut vous intéresser. Rumors, lui, il est à 40. Tiens. On va aller mettre un peu de Fleetwood. La toune du jus de canneberge. Dreams. Voilà. Et je vous souhaite tous un bon verre de Ocean Spray. De Ocean Spray. Ouais, c'est les gosses qui pendent. Check-moi ça, c'est quoi ça? C'est son attache-culotte? Ben, c'est pas chic. C'est pas chic. Oh, c'est vendu! Non, ben là, on l'a vu, lui, peut-être. C'est l'autre 10 d'avant. Sors d'en dessous de ta cachette, peut-être. C'était pour le Tommy James. Bon là, c'est laquelle la bonne version? Hop, il y a un hype sticker. Ça peut nous aider. Pas de problème, Peter. T'as pas fait ça pour mal faire. Hein? T'es pas un malfaisant. Ils sont faits au Canada, ces disques-là. Eh ouais. Disque canadien. Disque produit. Juste un produit. Et
je suis pas minimal. Ça va bien? Voilà. Fleetwood Mac. And go your own way. On finit là-dessus. Pendant qu'on va chercher un raid. On va aller chercher un raid. J'espère que vous avez apprécié l'émission, parce que moi j'ai trouvé qu'elle était excellente aujourd'hui. On a écouté vraiment beaucoup de bonne musique. C'est les petites graines qui font l'image. Comme. Va vider ton toaster sur le comptoir, on va regarder les nouvelles. Hein? Pif paf pouf. Own way, that's your own way. Hey, on va aller voir Monsieur le Duc. Félicitations pour votre beau programme, merci. Yes. 9.9 sur disque. C'est bon ça. On way. À demain Kakarnak. Merci Elzig pour ta présence. Merci à tous. Ça manquait de Candy Crush. Il reste 4-5 jours. Il nous reste 5 joueurs. C'est vraiment cool si vous atteignez 400, mais le milestone intéressant, je vous dirais 150. Là, si vous êtes capable de pogner votre 150, vous me rendez bien heureux. Vous avez joué pour la peine, ça sera pas trop long, puis vous allez avoir du fun. Puis jusqu'à 150, c'est super facile, vous rusherez pas. Là. Let's go! Non, c'est juste Candy. Juste Candy, quasi. Voilà. Et on raid. Ben, vous pouvez aller de votre own way, mais restez donc pour le raid. Yeah.